Sculpter la glace sous près de 20 degrés. Ce sartois l'a fait ainsi que huit autres candidats à l'occasion du championnat de France en Haute-Savoie. Le thème imposé pour cette édition les 100 ans des meilleurs ouvriers de France. Il y en a qui ont repris la médaille euh, que les, que les mofs portent. Euh, moi, je voulais quelque chose de, de plus artistique. Et euh, c'est vrai que là, j'ai eu cette idée de, de visage de femme dessiné par le fil de sa bobine. Donc, euh, femme ou enfin, tout ce qui est métier euh, de, du fil dans les dans les mofs, il y a plein de choses hein. et, euh, et non moi c'est plutôt ça qui m'a inspiré pendant près de trois heures les concurrents se munissent d'outils de plus en plus précis des heures d'effort pour un résultat qui n'est qu'éphémère c'est encore plus faut encore plus en profiter finalement une fois qu'on l'a sous les yeux parce qu'on se dit que bah après ça sera fini quoi Suite à cette victoire, le Sartois remporte un ticket d'entrée pour les Jeux olympiques d'hiver 2026 qui prévoit une épreuve de sculpture sur glace.